Bien. Alors on va un peu continuer dans le même esprit que la semaine dernière. On va continuer avec au sujet des midot. Donc la semaine dernière, on a déjà commencé à expliquer que, enfin, on a expliqué un principe selon lequel pendant les 7 semaines du Homer, on compte chaque semaine une mida de Akadosh Baruch Hu, d'accord, il y a 7 midot. Et la semaine dernière, on a expliqué que l'homme, il a la possibilité, à travers ses midot, de ressembler à Hachem. Alors les midot, je répète rapidement, c'est les qualités humaines d'une personne, ok? Mais quand on dit qualité humaine, c'est pas dans le sens uniquement positif. Quand on dit une mida, la mida elle peut être bonne et la mida elle peut être mauvaise. Ok? Donc on a tous des bonnes midot et des mauvaises midot. Ok? Par exemple, tout le monde est généreux? Qui n'est pas généreux? On est tous généreux. Qui est égoïste ici? On est tous un peu égoïste. D'accord? On a des bonnes et des mauvaises midot. Ok? Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que même les midot elles-mêmes, elles peuvent être bonnes ou mauvaises. La générosité, c'est bien? Oui, mais jusqu'à un certain point. Ok? On avait ramené la semaine dernière ce que dit la Gemara, c'est que celui qui est qui a pitié des cruels, il est lui-même cruel. Ok? C'est la cruauté d'avoir pitié d'un cruel. Alors, ce qu'on va essayer d'expliquer ce soir, on va un peu rentrer dans le sens des midot. Ok? On va dire comme ça. Dans les 7 midot d'Hachem, les deux premières, elles vont être la base de toutes les autres. Et on va expliquer pourquoi. Alors la première mida, c'est celle du chesed. La deuxième, c'est celle de gvoura. On va expliquer. Chesed d'un côté, gvoura de l'autre, chesed din. Ok? Chesed, c'est quoi? C'est quoi la générosité dans la vie? La générosité dans la vie, c'est une tendance. D'accord? Donc toujours, on explique un concept. Et après le concept, on le transforme en mida, ça veut dire en comportement. Ok? Le concept chesed, c'est quoi? Le concept chesed, c'est quand une personne, elle a tendance à aller, on va dire comme ça, en s'élargissant. Ok? Le chesed, c'est l'extension d'une personne. Je suis pas obligé, ok? C'est-à-dire que c'est pas forcément dans les limites de ce qui est une obligation, pas grave, je vais plus loin que l'obligation, je fais quand même. C'est du chesed. Ok? Par exemple, je vous vends quelque chose à 22 shekels, vous me donnez 30 shekels, je vous donne 8 shekels, c'est du chesed? Pas du chesed. C'est normal, je vous le dois 8 shekels. D'accord? Je vais au restaurant, je mange pour 110 shekels, je laisse 120 shekels, c'est du chesed. D'accord? Même si ici on vous l'exige. Attention si vous donnez moins que je sais pas quoi. Ok? Le chesed, c'est quoi? C'est que dans la vie d'un homme, il y a un périmètre. Ok? Le périmètre, ça peut être la personne. Le périmètre, ça peut être l'obligation. Le périmètre, c'est ce qui me concerne à moi. Ce qui est mon problème. Quand je sors de ce périmètre, ça s'appelle du chesed. Ok? Je vous croise et puis je vous dis, ça va, t'as pas l'air d'aller, ça a pas l'air d'aller. Je vais me mettre de ce qui ne me regarde pas. N'est-ce pas? C'est-à-dire que je dépasse mon territoire. Simplement, je le fais parce que je suis sympa, quoi. Je suis concerné. Je vois quelqu'un, il n'est pas bien, je vais lui demander, qu'est-ce qu'il a? C'est du chesed ou pas? Ouais? C'est du bon chesed ou du mauvais chesed? Hein?
C'est du bon. Ça dépend. Non, ça dépend jusqu'où je vais. Ça va, t'as pas l'air bien, qu'est-ce qui t'arrive? Non, non, ça va. Non, mais dis-moi. Ah, c'est encore ta mère qui t'a machin. Ah, c'est ta belle-mère. Quoi? C'est bon, stop. Mais c'est du chesed. Mais vous voyez que même le chesed, il peut être mauvais. Mais à la base, le côté naturel qu'il y a chez moi, chez tout le monde, qui me pousse à être concerné par les autres, c'est positif. Donc c'est du chesed. Mais le chesed, il peut être aussi mauvais. Ok, on a compris. D'accord? Bien. Le chesed, c'est l'extension. C'est quand un homme il sort de son, de ses barrières, de ses frontières, et il va vers l'autre. Par exemple, la Gemara elle dit comme ça que Avraham Avinu il a eu deux enfants. Avraham Avinu c'est le personnage du chesed. Il a deux enfants. Il a Yitzhak et il a Ishmael. Yitzhak, il est quoi? Il est din. Il est l'inverse de son père. Un Ishmaël, il est quoi? Il est plutôt din ou chesed? Il est chesed. Le bon ou le mauvais chesed? Parce que c'est Ishmaël. Quelle est la mida de Avraham, de Ishmaël, pardon, à la Gemara? Hein? Ouais, mais c'est pas ce qui caractérise ça. Il a appris de son père. Ouais, mais ça c'est une mitzvah. Ishmaël, il y a marqué dans la Gemara que chaque peuple, il a une mida qui lui est spécifique. Et à propos de cette mida, la Gemara, elle dit pas forcément pour toutes les nations. Vous savez, la Gemara, elle dit souvent, par exemple, elle dit, il y a dans le monde 10 cabines de beauté. De beauté. Et la Gemara a dit 9 cabines, c'est-à-dire, imaginez la beauté, la quantité de beauté qu'il y a dans le monde, avec un chiffre, le chiffre 10. C'est des tonnes. Ok? Et la Gemara a dit 9 sur 10 sont à Yerushalayim. Vous saviez ça? Et si vous ne le voyez pas dans la rue, parce que Yerushalayim, ça vous paraît un peu moins beau que, je sais pas moi, les îles, les Antilles ou là, je sais pas où. Ok? C'est parce que le Beth Amidrash a été détruit. La Gemara dit que le jour où le Beth Amidrash sera reconstruit, Yerushalayim deviendra 9 fois plus beau que que le monde entier. Bref, la Gemara dit par exemple que 10 cabines de paroles ont été données dans le monde. Devinez qui en a pris 9? Non, les femmes. Il y a plein de choses comme ça. D'accord? Hein? Je te pose la question à toi, c'est faux ou c'est vrai? Ça dépend. Il y a des scientifiques qui disent le contraire. Ils disent qu'en fait, les femmes et les hommes parlent autant. Ok? Simplement, l'homme, il parle. Toute sa part, il la parle avant de rentrer à la maison. Et c'est là que la femme, elle commence. Moi, enfin, bon, peu importe. Vous savez ce qu'a dit la Gemara de Ishmael? La Gemara dit comme ça, elle dit 10 cabines. 10 cabines de znout, d'immoralité sexuelle ont été mis dans le monde. Il y en a 9 qui sont chez Ishmael. Ishmael, c'est les plus gros cochons de l'histoire. Vous voulez une preuve? Vous voulez une preuve? Regardez ce qu'ils font avec leurs femmes. Ils les couvrent. Vous savez pourquoi? Pour montrer soi-disant que c'est eux qui savent ce que c'est la pudeur. Il y a des choses qu'on n'a pas, on n'est pas censé couvrir. Il y a des choses qu'il faut couvrir, c'est certain. Et dans la Torah, on est strict. Je reconnais. Mais trop, ça cache quelque chose. C'est le cas de le dire. Et en fait, on va voir que Ishmaël, il a un excès de chesed. Il a pris le mauvais chesed de son père. Et znout égale chesed. C'est quoi znout? Znout, c'est deux personnes qui sont très gentilles l'une avec l'autre. Seulement, c'était pas la bonne personne. Voilà ce que c'est, voilà ce que c'est chesed, le mauvais chesed. Jusqu'où ça peut aller? D'accord? C'est-à-dire que la Avera,
La Avera de Znout, elle est un chesed mal canalisé. D'accord ? Znout, la débauche. Znout, c'est tout ce qui est adultère, inceste, tout ce qui est débauche sexuelle. Ok ? Ça, c'est la première mida. La première mida, c'est chesed. Donc, chesed, c'est, encore une fois, extension, rapprochement, aller vers l'autre. À l'inverse, qu'est-ce que c'est din ? Din, c'est le contraire. Din, c'est la rigueur, la gvoura. La rigueur, c'est quoi ? Je te dois pas ? Bah, si je te dois rien, je te dois rien. Ok ? Je vous demande un service, vous me répondez, je suis obligé ? Non, alors je suis pas obligé. Pas envie. Vous avez le droit. On a le droit de refuser dans la vie. On a le droit d'exiger ce qu'on nous doit. C'est du din. Maintenant, le din, c'est aussi la justice. C'est pas négatif, le din. Mais le din, c'est quoi, le din ? C'est de rester dans le cadre des choses. Moi, j'ai un territoire, je reste dans mon territoire. Hein, il arrive sur quelqu'un, ah, moi, ça me regarde pas. D'accord ? Le din, raconte un autre texte de la Gemara, c'est l'une des raisons pour lesquelles le Beth Amigdash a été détruit. On raconte une histoire terrible dans la Gemara. L'histoire d'un homme qui était esclave, enfin qui était serviteur, chez un maître. Et il était fou de jalousie de son maître. Son maître, il avait tout. Une belle maison, beaucoup d'argent. Il avait tout. Et il avait en plus une très belle femme. Et l'autre, il n'en pouvait plus de s'approprier ce qui appartenait à son maître. Et la Gemara raconte comment cet homme-là, il a réfléchi, comment sans enfreindre aucune halakha, il allait pouvoir s'approprier tout ce qu'avait son maître. Ouais. Et il s'est arrangé pour semer le doute entre lui, entre le maître et sa femme. Lui conseiller de la répudier. Par des scénarios qu'il a inventés. Hein. Et puis s'arranger pour que son maître il investisse mal son argent. Et que lui, de l'autre côté, ça lui profite à lui. Et la Gemara raconte qu'en quelques temps, son maître il a tout perdu. Il a divorcé de sa femme. Et après, il a perdu tout son argent. Et devinez qui a tout récupéré ? Le serviteur. Et la Gemara dit comme ça que dans le deuxième acte de l'histoire, il y a une scène terrible dans laquelle l'ancien serviteur est comme ça allongé sur un divan avec sa nouvelle femme, qui est l'ancienne femme de son maître, qu'il a réussi à séduire, et que le maître, l'ancien maître, lui doit de l'argent, donc il devient son serviteur. Et la Gemara raconte qu'il verse, il lui sert une coupe de vin, et il a tellement mal, l'ancien maître, qu'il pleure. Mais il pleure tellement que ses larmes, elles dégoulinent dans le verre de vin. Et la Gemara dit que quand les larmes font déborder le verre de vin, hein, ces larmes-là, elles ont fait déborder la coupe de la patience de HaKadosh Baruch Hu. Et la Gemara démontre par A plus B comment cet homme, il a tout fait selon le din. Il n'a jamais touché à cette femme, donc elle n'était pas mariée. Il n'a jamais volé l'argent de son matron. Ok, il l'a manipulé. Mais soi-disant, il a respecté le din. Et la Gemara dira, à cause du din, HaKadosh Baruch Hu, il a détruit le Beth Amigdash. C'est-à-dire que dans le peuple juif, il y avait trop de justice. Trop de justice, c'est pas bon. Marqué où ? C'est un dérivé du mensonge. C'est marqué où que c'est assourd de manipuler quelqu'un ? Parce qu'en vérité, quand... Non, et puis même, voilà, c'est pas forcément... Et même le mensonge, c'est pas forcément un mensonge interdit. Dans cette histoire, il a déformé la vérité de la façon dont il l'a présenté à son maître. Et il a pu s'arranger pour ne rien déformer. J'en sais rien. Non, par ça, il a convoité... Oh, c'était un sale type, je discute pas. C'était un sale type. Mais il a fait souvent le din. Est-ce que c'est le din, c'est ça ? Vendredi, je parlais avec un ami à moi, il est dentiste. Il me raconte que il est poursuivi par un patient, ok, à qui il a fait tout un traitement, machin, etc. Et puis, il s'est rendu compte que ce patient, il avait plein de procès, un après l'autre.
Il était chez un dentiste, ça a duré 3-4 mois. Ok. Et puis, il allait chez un autre, et le premier, il attaquait en justice. Alors, mon ami, il dit au juge, il ramène tous les documents. Il dit, moi, vous ne vous posez pas des questions. Il a traîné en justice tel dentiste. Il lui montre tout l'historique. Vous savez ce qu'il lui répond le juge? Il dit, mais monsieur, chaque dossier est un dossier qu'on traite séparément. C'est ça la justice. Si l'autre il va pouvoir lui soutirer de l'argent, c'est la justice. Qu'est-ce qu'on va faire? La justice. La justice est terrible. Heureusement qu'il y a la justice. Sans justice, il passerait quoi? David Améler, il dit, dans les psaumes, il dit, les hommes se mangeraient les uns les autres. Tout simplement. Dans un psaume qu'on dit tous les matins. Peu importe, ça c'est encore un autre problème. Quelle justice mérite d'être appelée justice? Ok? Mais même quand la justice, la meilleure qui soit, est appliquée à la lettre, on rentre dans une rigueur qui fait qu'en fait chacun vit par rapport à ses intérêts et on oublie complètement l'autre. Il me doit, point. Il me doit. Moi, j'ai eu un problème avec quelqu'un un jour. Je me gare sur un trottoir, je mets deux roues sur le trottoir. Ok. Maintenant, j'avoue que c'était un endroit dans lequel on n'a pas le droit de se garer. C'est devant une synagogue, mais il y a tout le temps des voitures garées là-bas. Tout le temps. Je me gare comme tout le monde. Ok. J'ouvre ma porte. Je fais pas attention. Il y a un scooter sur le trottoir qui arrive à toute blinde. Au moment où j'ouvre la porte, paf, il me rentre dans la porte. Ma porte, il m'éclate. Et lui, il tombe, et machin, etc. Bon, grâce à Dieu, il n'a rien eu. Ok. Mais on a un problème. Qu'est-ce qu'on fait? Lui, il n'a pas roulé sur le trottoir. Moi, j'ai pas le droit de me garer. Moi, j'ouvre la porte et lui, il roule normalement. On peut voir le problème de plein de façons. Je demande à mon assureur, il me dit, il n'y a aucun doute, il est en tort. D'accord. Il me dit, il est en tort. Bon, ok. Alors lui, il me commence à me dire, écoute, voilà, ça ne m'arrange pas parce que mon assurance, je sais pas quoi. Je fais, ok, on va demander un rave. Je demande un rave. Un Dayan, c'est son métier. Je le connais bien, ce Dayan. Je lui dis pas que c'est moi l'histoire. Tu vois, là, on m'a demandé un cas, machin, etc. Il me dit, écoute, franchement, dis à ce monsieur qui peut aller au tribunal, mais moi, je ne lui conseille pas. Je dis, pourquoi? Il me dit, je ne conseille pas parce que, d'un côté, celui qui est en scooter, il est en tort, il n'a pas roulé sur le trottoir. De l'autre côté, celui qui ouvre sa porte, quand on ouvre une porte, faire attention. Mais si c'était un enfant qui courait, ce serait fait mal, c'est vrai. Donc, il dit, moi, je pense que l'un, il ne peut pas lui demander de lui payer les dommages qu'il a eus à l'autre, et vice-versa à l'autre. Mais dis-moi, à mon avis, chacun est passé de ses propres dommages. Et moi, je pense très sincèrement que là, il y a une différence entre le din sec, ok, où on aurait pu tous les deux aller voir un Dayan, machin, etc. Moi, quand le rabbi m'a dit ça, tout de suite, j'ai dit, ok, très bien, c'est ce que je vais faire. Et mes dommages étaient plus importants que les siens, c'est important de le préciser. D'accord? J'ai dit, ok, il a raison, je vais rentrer dans une histoire, machin, peut-être qu'il y avait une chance sur 1000 que moi, je suis en tort. J'ai pas envie. Pourtant, il y a un din. On aurait pu aller voir le din. On aurait pu dire 50-50. Lui, il avait, on va dire, 50 de dommages. Moi, j'en avais 80. On fait l'un plus l'autre, divisé par deux. J'aurais été gagnant, peut-être. Pas savoir. Il y a des fois où dans la vie, tu vous dites, ok, il y a un din, mais le din, c'est une rigueur qui est dénudée d'humanisme. Faire attention. J'ai connu un rave qui était le magiquaire de la yeshiva dans laquelle j'étudiais. Il a eu un drame dans sa vie. Il y a un camion qui a renversé une de ses filles, une petite fille, et malheureusement, elle est niftérette. D'accord? Donc évidemment, police, machin, le camion, il a fait une manœuvre, il n'aurait pas dû la faire. Donc la police lui dit, voilà, ben, il faut porter plainte, il va y avoir un procès, machin et tout. Le rave, il a dit, moi, je ne porte pas plainte.
Alors on lui dit, mais pourquoi vous ne portez pas plainte? Vous allez toucher l'assurance, machin, etc. Évidemment, je ne prends pas plainte. Parce que la justice, elle a peut-être décidé quelque chose, mais dans la réalité, lui aussi, il a une famille. Il n'a pas voulu tuer un enfant. Il a, ok, il a été maladroit, alors c'est très grave. Il dit, je pense que ça lui servira de leçon. Dorénavant, il fera attention toute sa vie. Ok, il va vivre avec ce qu'il a fait. Mais moi, quoi, je vais lui tirer de l'argent. Ok, je peux le faire d'après la justice. Je ne veux pas rentrer dans la justice. Et il n'y a pas eu de procès. Le gars, il a un procès, l'État, évidemment, parce qu'il a fait ce qu'il a fait, mais ce rave, il n'a rien retiré de ça. Vous voyez, hein, c'est-à-dire que le din, c'est trop de rester enfermé. Quel est mon intérêt? Est-ce que je suis obligé? Pareil, c'est ce que j'ai demandé tout à l'heure. On demande un service, t'es obligé? Je suis obligé, oui. Ah, je suis obligé, je le fais. C'est bien. C'est bien. Mais vous savez, dans n'importe quelle relation, on peut établir une relation ou sur la base de « je suis obligé » ou sur la base de « moi, je vais vers l'autre ». On peut être une très bonne mère, un très bon père, en faisant à ses enfants ce qu'on est obligé de faire. Ça fonctionne parfaitement. Hein. Vous verrez, les enfants, ils seront toujours impeccables, bien élevés, instruits. Ils auront même l'affection qu'on est obligé de leur donner, parce qu'on est obligé de leur donner l'affection. Et puis, d'ailleurs, ça ne nous dérange pas, on en a envie. Vous avez des mamans où ça se passe différemment, ou des pères où ça se passe différemment. Il n'y a pas d'obligation. Celui-là, ce parent-là, des fois, il ne va pas faire ce qu'il aurait dû faire, mais dans sa façon d'établir un lien avec cet enfant, il y aura quelque chose qui est beaucoup plus qu'une obligation. Vous voyez, je pousse le raisonnement, mais gardez dans un coin de votre tête, peut-être qu'un jour, vous le verrez concrètement sur le terrain. Pareil dans un couple. Pareil dans une amitié. Dans une amitié aussi, il y a des règles. Je suis obligé, je ne suis pas obligé, chacun ses problèmes. C'est vrai. Mais il n'y a pas que le digne dans la vie. Donc en fait, voilà, il y a deux midotes. Il y a Chesed et Din, Chesed et Gvoura. C'est les deux premières des sept midotes. Les Haramim disent une phrase qui est très intéressante, ils disent comme ça. Toutes les autres midotes ne sont que des toladotes, c'est-à-dire des ouais, voilà, si vous voulez, des enchaînements, des conséquences de ces midotes-là. Ok ? Pourquoi ? Alors on va continuer. Pourquoi ? Parce que, sincèrement, dans une relation, c'est quoi l'idéal ? Chesed ou Din ? Mais n'importe quoi. Hein, vous imaginez une relation dans laquelle il n'y a que du chesed? C'est pas bon. Que du din? C'est pas bon. Vous savez ce qu'il faut dans une relation? Il faut les deux. Donc, ah, mais ça, il n'y a pas de règle, mes chers amis. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, pourquoi? Parce que à chaque situation, sa solution. Mais une relation équilibrée, c'est quoi? C'est une relation dans laquelle il y a les deux. Je vais vous expliquer ce que c'est les deux. Les deux, c'est du rapprochement quand il en faut, ok, et de la distance quand il en faut. Par exemple, imaginez, vous êtes marié, d'accord? Dites-moi, quand on est marié, on est constamment l'un sur l'autre. On a besoin de respirer dans la vie. Hein? Ah non, mais l'autre, il te dit, non, mais moi, je suis chesed, non, t'inquiète pas, je te lâche pas. C'est-à-dire que, je vous donne un cas simple. Il y avait un raf qui disait comme ça. Il nous parlait, il parlait aux femmes. Mais c'est valable aussi dans l'autre sens. Il disait, votre mari, il arrive à la maison. Le soir après le travail. Ok ? Il rentre à la maison. Il a besoin, des fois, de quelques instants, on lui fout la paix. C'est pas méchant, hein. Maintenant, souvent dans une relation, tout de suite, on veut partager, on veut se dire les choses, on veut ceci. Tiens, tu viens manger, tiens, j'arrive, 5 minutes. Mais je t'attends, 5 minutes. C'est vrai ou pas? Vous voyez, c'est un petit espace, quoi. Dans les deux sens, hein, ça existe, hein. Dans les deux sens. Une relation équilibrée, c'est une relation dans laquelle il y a les deux. Il y a du chesed et du din. C'est-à-dire du rapprochement et au contraire, un peu de distance. Il faut savoir rester à sa place. Par exemple, un couple,
C'est une relation dans laquelle on échange beaucoup. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours donner son avis, vous voyez? Pourtant, non, mais c'est juste pour échanger. Non, mais ça, des fois, c'est bon. C'est pas grave. Ou bien je vous prends l'exemple inverse. Dans une relation aussi forte que celle du couple, c'est important de se soutenir. Hein? Pourtant, votre conjoint, il n'a pas toujours raison. Donc, il ne faudra pas toujours non plus donner raison, quoi. Vous voyez? Et des fois, quand il n'aura pas raison, il ne faudra pas être obligé de lui dire. Bah oui. C'est compliqué, tout ça. Pourquoi c'est compliqué? Parce que c'est une recette. C'est une combinaison précise entre chesed et din. Et mes chers amis, l'un sans l'autre, ça ne peut pas fonctionner. Alors, écoutez bien. Chesed, gvura, c'est quoi le troisième? Non? Emet. Emet qui s'est fait appeler en fait Tiferet. D'accord? Vous prenez le Sfirat HaOmer, première semaine c'est Chesed, deuxième semaine c'est Gvura, troisième semaine c'est Tiferet. Tiferet, est-ce que vous savez par hasard dans quel contexte la Torah utilise le mot Tiferet? Tiferet, c'est la splendeur. C'est quoi? La splendeur. Vous savez pas? On ne parle pas de Bétamidage dans la Torah. Mais où dans le Mishkan? Parce qu'on n'est pas loin. Bravo. Quoi du Kohen Gadol? Les. D'abord, c'est pas le, c'est les. Tu brûles. Aïe! Les habits, en général. Mais tu y étais presque. C'est-à-dire que dans les vêtements du Kohen Gadol, on parle de Tiferet. OK? Alors, mes amis, écoutez bien, parce que l'idée, elle est magnifique. L'idée, c'est que l'habit, c'est la tiferet de la personne. Alors, dans son cas, au Kohen Gadol, c'est simple, enfin, au Kohen tout court d'ailleurs, il avait des habits splendides, magnifiques. Mais à quoi ça servait, ces habits tellement beaux? Dites-moi, quand vous achetez des vêtements, je ne parle pas le petit vêtement qu'on va acheter au bazar pour le mettre tous les jours ou parce qu'on a envie d'être à l'aise à la maison. Le vêtement avec lequel on va sortir, qu'on va mettre le Shabbat ou je ne sais pas moi. Un moment où on veut être bien habillé. Hein? À quoi ça sert? À quoi il sert? C'est quoi sa fonction? Dites-moi. Se sentir bien. Embellir. Mais quel est le but de ça? Le C'est bien. Ce que vous dites, c'est bien. Vous dites un peu faillot, si je peux me permettre. Si vous me faites croire là que vous voulez honorer l'autre, vous honorez le Shabbat, vous honorez la circonstance, vous allez dans un mariage, vous voulez honorer le Khatan et la Kala, mais en fait, vous avez raison qu'il s'agit d'honneur, mais c'est pour honorer qui? Soi-même. Hein? Mais pour s'honorer, ou pour être honoré par les autres. J'exagère un peu parce que vous avez raison. Il y a une mitzvah d'honorer le Shabbat avec des beaux habits, c'est clair. C'est clair. Donc il y a aussi le Kohen Gadol, c'était pas pour honorer l'homme, c'était pour honorer la position du Kohen Gadol, d'accord? Mais le mot honneur, c'est celui-là. Celui qui ne s'habille pas bien à Shabbat, c'est pas un... Oh! C'est un quoi? Il manque à la mitzvah. Voilà, il n'a pas enfreint, hein, il n'y a aucune avéra, mais il n'a pas fait kavod au Shabbat. Il manque quelque chose dans le kavod du Shabbat. Mais non, mais moi, ce que je voulais vous dire, c'est plus vaste. Ce que je voulais vous dire, c'est que l'habit d'une personne honore la personne. Honore la personne. Vous savez, mesdemoiselles, hein, on vous casse la tête dans la Torah, la tignoute, il faut couvrir ceci, il faut couvrir cela. C'est quoi couvrir? Couvrir, c'est que trop montrer, c'est l'antithèse du kavod. De la manière que dans la vie, vous ne dites pas tout. Ça ne regarde pas les gens, quoi. Tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes. Malheureusement, elle est un petit peu galvaudée, cette notion, parce qu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec les réseaux sociaux, on a un vrai problème, quoi. Moi, vous savez, ce qui me dérange dans les réseaux sociaux, c'est que les gens, ils n'ont plus de kavod. Moi, j'adore faire des choses sans que personne ne sache. J'adore. Ouais, puis je reviens à ma place, personne n'a rien vu, ni connu, machin. J'étais en vacances, 24 heures, personne ne sait, ou 48 heures. Ok?
Imaginez, j'étais il y a 2 jours, je sais pas moi, au bout du monde sur une plage avec ma femme. J'ai pas envie que tout le monde sache, quoi. Je montre à personne, je dis, je raconte à personne. Vous comprendriez une chose pareille? Hein? C'est ma vie, quoi. C'est mon kavod. À partir du moment où on raconte tout à tout le monde, n'importe comment, on perd son kavod. On perd son kavod. Vous vous rappelez, quand on était enfant, on adorait dire aux autres qu'on avait su avant eux. Vous connaissez cette notion? Hein, parce que savoir, c'est pénétrer dans le territoire de l'autre. Donc, c'est un manque de kavod. Il y a plein de fois, par exemple, où vous savez des choses sur quelqu'un, mais vous, comme vous respectez la personne, vous faites comme si vous ne savez pas. Comme si on ne vous l'avait pas dit. C'est la même chose. Moi, il y a des choses que je n'ai pas envie de montrer, quoi. Maintenant, à part ça, il y a aussi le fait qu'être bien habillé, eh ben, ça me donne plus de kavod. Vous savez ce que c'est un rabbin? Imaginez le rabbin, il vient à la synagogue en tong et en short. Qu'est-ce que vous dites? C'est pas grave, non? C'est grave d'être en short et en tong? Ah, pour un rabbin, c'est pas kavod, c'est tout. C'est pas kavod. Oui, bon, ce rabbin, il est un peu léger, quoi. Non? En même temps, on peut discuter 3 heures, parce que vous me dites, bon, finalement, si c'est un bon rabbin, ben, ça change quoi qu'ils soient en tong et en short? Non, mais ça change, parce qu'il y a un kavod qui est important. Par rapport à tout, tout, je prends la globalité du personnage, mais j'aurais pu prendre rabbin ou autre chose, autre chose. Hein, vous aimeriez, vous, que demain, il y a le, je sais pas moi, il y a le G20, ça c'est le G20? Les 20 états les plus... puissant du monde, et puis vous faites partie d'un de ces états qui est représenté par le président de votre état, et ils sont tous en costard cravate, et le vôtre il arrive pareil, en tongs, t-shirt. Vous aimeriez? Non, il vous représente. Ça se passe, il y en a. Ouais. Certains ils n'arrivent pas tous en costume. Au G20 quand même. Bon, il y en a qui arrivent en G là-bas, c'est un autre problème. Mais en général, non, ils arrivent mirroubades, quoi. Et ce mirroubad, ils le doivent à ceux qui représentent. N'est-ce pas? Le kavod, c'est les habits, c'est le kavod. Exactement. Exactement. On l'a toujours dit dans la tradition juive, l'habit fait le juif. Le juif. Rappelle-toi qu'en Mitzrayim, ils étaient complètement assimilés. Ils ont gardé leur nom et leurs habits. C'est vrai. On se moque de ceux qui portent des redingotes noires et des chapeaux, machin. Ça a toujours été leur habit, ça a été l'habit des juifs. Ben, ils ne veulent pas l'enlever. Ça se comprend. Ça se comprend. Ok? Bien. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est que la troisième mida, qui est Tiferet, en fait, Tiferet, ça veut dire quoi? Ça veut dire Kavod. Donc, si les deux premières, c'est rapprochement, éloignement, et que Kavod, c'est quoi? C'est le résultat des deux. Donc c'est quoi Kavod? Kavod, c'est cette notion à la fois basée sur le rapprochement et sur l'éloignement. Ok? Et je vais vous expliquer pourquoi, comment ça fonctionne. Essayons de réfléchir qui on respecte dans la vie. Ou qu'est-ce qui fait qu'on respecte une personne? Alors moi, je vais vous faire un schéma. Et vous allez voir que ce schéma, vous pouvez l'appliquer à toutes les situations que vous connaissez, il fonctionne. On respecte les gens qui nous fascinent, à un petit ou un grand degré, hein, mais il y a une certaine fascination. Ok? Et cette fascination, elle fait qu'on aimerait se rapprocher d'eux, mais en même temps, comme ils nous fascinent, il y a une distance naturelle entre eux et nous. Ok? Exemple. La Torah, elle dit, tu honoreras ton père et ta mère. Pourquoi la Torah, elle m'exige de leur faire kavod? Parce que d'un côté, c'est pas forcément naturel d'honorer ses parents. Pourquoi? Parce que nos parents, ben regardez, nos parents, ils ont été jeunes, mais ils le sont plus, quoi, vous voyez? Ils sont plus tellement dans le coup, quoi. Les parents, il faut dire la vérité, souvent les parents sont un peu has-been, quoi. Pas méchants, hein? Mais bon, ils ne savent pas très bien comment ça marche, quoi. Vous savez, nos parents, pour leur expliquer comment ça fonctionne, WhatsApp ou Facebook ou je sais pas quoi, il faut avoir du temps, hein, on a compris en 2 secondes. Et vous allez voir vos enfants.
Vous allez voir. Alors, donc, la Torah vient de dire, attention, fais leur kavod. Mais en même temps, si elle me demande de leur faire kavod, il faut aussi que je sois capable de faire kavod à mes parents. Et en même temps, ce qui est beau, c'est qu'il y a une nature, il y a quelque chose de naturel dans le kavod des parents. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant que nos parents nous semblent dépassés, avant qu'on ait le sentiment que nos parents ne comprennent pas très bien ce qui se passe, et que leur avis, ma foi, il n'est pas toujours bon parce qu'ils ne sont pas dans le... ne sont pas dans la réalité des choses d'aujourd'hui. Mais rappelez-vous, au début, nos parents, ils nous fascinaient. Quand on est un petit enfant, notre père, c'est le plus fort. Notre mère, c'est la plus gentille, c'est la plus belle. Ils ont toujours raison, nos parents. On est fasciné par nos parents. Et on est tellement fasciné que eux, ils sont très grands et nous, on est très petits. Et on a l'impression, combien de fois on a demandé à nos parents, ou nos enfants nous demandent, quel âge tu as, papa? Et on leur dit notre âge, ils disent, ouais, ça fait beaucoup, pour eux, c'est énorme. Ça, le kavod. C'est que d'un côté, on est fasciné par quelqu'un, on aimerait se rapprocher de lui. Vous voyez, il nous attire. Mais en même temps, justement, s'il nous fascine, c'est parce qu'il est à un autre niveau, quoi. Et moi, pour moi, le plus bel exemple, c'est quoi? C'est le rave. Hein, vous avez eu la chance d'avoir un vrai rave dans votre vie, de qui vous vous sentez à la fois proche, mais en même temps qui vous impressionne, quoi. Quand vous le voyez, hein, il incarne quelque chose de tellement fort pour vous que vous êtes fasciné. Et en même temps, justement, cette fascination, elle fait que naturellement, il y a une distance. Vous pouvez pas, c'est pas votre copain, quoi. C'est pas votre copain. Et le secret du respect, c'est ça. Parce que ce qui m'importe, c'est pas seulement que vous respectiez les gens, c'est que vous soyez vous aussi respecté. Vous savez comment on se fait respecter? Pareil. Quand on est capable de distiller la proximité, c'est-à-dire ce qui donne envie aux gens d'être proches de nous, donc il y a un jeu de séduction quelque part, mais très limité. Parce qu'en même temps, il y a un équilibre avec une distance qu'il faut savoir respecter. Regardez, je vous donne un exemple très simple. On arrive de France, on arrive en Israël. En Israël, on se tutoie, en France, on se vouvoie. C'est quoi les conséquences? En France, on est plus poli. Ne me dites pas que ça ne vous gêne pas. Attention, je n'échangerai pas les uns contre les autres. Enfin, surtout pas les Israéliens contre les Français. Ok? Mais j'avoue que la politesse, le respect, vous savez, cette ambiance dans laquelle on a peut-être un peu grandi, des fois ça nous manque ici, quoi. On aimerait bien ici qu'on nous dise « Mashlom Chem, vous allez bien, ça va ?» Et pas « Manishma ». On aimerait bien que, vous voyez, la femme, la pkida, la du Bitouar Loumi ou du Mishra Pnim, au lieu de nous dire Boena. Un jour, je me suis arrêté par les gendarmes en France sur l'autoroute. Quelle classe! Sur le mec qui va vous écrabouiller, quoi, vous voyez. Retrait de permis, tout ce que vous voulez. Bonjour, monsieur, gendarmerie. Presque, vous allez bien, ça va? Poli, quoi. Préférez quoi, vous faire enlever le permis par un mec qui vous rentre dedans comme si vous l'aviez frappé, ou frappé sa mère, ou quelqu'un qui vient avec beaucoup de politesse, qui dit « Monsieur, voilà, presque désolé, mais je vous retire votre permis. » C'est vrai que des fois, ici, les gens sont plus vrais, mais un peu de distance, ça n'est pas de mal, quoi. C'est bon de se sentir respecté. C'est bon. Vous comprenez, je suis pas dans un excès. Je vous dis pas « Ah, j'aime les honneurs. » Même si on aime tous les honneurs. Je vous dis non, se faire respecter. Se faire respecter. Pareil, vous allez avoir des enfants, Bézant Hachem. Vos enfants, il faut qu'ils apprennent à vous respecter. Mais attention, hein, faut pas lâcher. Hein. Quand vous dites un enfant, viens ici, qu'est-ce qu'il vous dit? Je suis occupé, j'arrive. Comment j'arrive? Ton père, il t'appelle, ta mère, il t'appelle. Tout de suite, tu viens. C'est pas naturel pour l'enfant. Mais par contre, l'enfant, il comprend très bien qu'on lui dise... Quand ton père, il t'appelle, tu viens tout de suite. Ah, il comprend, parce que c'est son père. Quand c'est pas trop tard. Quand il est encore fasciné par son père, vous voyez. Les enfants, si vous vous laissez faire, ils peuvent vous contredire en public. Ça leur pose aucun problème. Mais non, papa, c'est pas vrai. Pourtant, un enfant, il doit apprendre qu'il ne dit pas à son père, c'est pas vrai. C'est des exemples, des tout petits exemples. Mais ça veut dire que c'est ça, kavod. Kavod, c'est...
L'équilibre, c'est la recette, la combinaison entre chesed et gvoura. Éloignement et rapprochement. Hein? Moi, je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas avec qui vous allez vous marier. Je ne sais pas si vous allez être amoureux ou amoureuse en vous mariant. Je ne sais pas. Vous savez, des fois oui, des fois non. Hein. C'est pas une fatalité. Hein. Je ne sais même pas si c'est ce que j'ai envie de vous souhaiter. Par contre, il y a une chose qui est impérative. N'épousez que quelqu'un qui vous respecte. Ça oui. Et toute votre vie, faites tout pour qu'on vous respecte. Notamment, ça passe par le respect que vous allez avoir pour lui ou pour elle, c'est évident. Mais le respect, c'est quoi? Le respect, le vrai, dans une vraie relation comme celle d'un couple, comme entre des parents et des enfants, même des frères et sœurs, le respect, c'est quoi? C'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux. Si une femme, elle n'aime pas son mari, mais elle le respecte. Pour le mari, c'est pas un respect. Il a besoin de cet amour. Pareil pour la femme. Mais un mari ou une femme qui dirait « oui, moi, je suis respecté », il se sent aussi aimé, vous voyez. Mais aussi respecté. L'un cadre l'autre. C'est ça, Tiferet. C'est ça, Emet de Yaakov. Ok. Maintenant, attendez, j'ai pas terminé. On n'est pas rentré, on n'est pas allé jusqu'au bout du mécanisme. On n'est pas allé jusqu'au bout du mécanisme. Parce qu'il faut aussi comprendre autre chose. C'est que respecter quelqu'un, hein, par exemple, vous faites honneur à quelqu'un, vous lui faites du kavod. Vous avez déjà fait du kavod à quelqu'un? Comment on fait pour faire du kavod à quelqu'un? Il y a quelqu'un qui rentre maintenant, c'est quelqu'un que vraiment vous honorez, vous respectez. Qu'est-ce que vous faites? Tu te lèves, quoi encore? Voilà. Ah, imaginez maintenant, je sais pas moi, il y a le plus grand rave du monde qui arrive, Moshe Rabbeinu, Bibi Netanyahou, vous faites quoi? Vous n'allez pas rester assis comme ça, comme s'il n'y avait rien. Hein, vous allez vous lever, vous allez donner place, tu veux quelque chose, un verre d'eau, je sais pas. Maintenant, j'ai une question. Vous avez tout fait pour l'honorer. Et vous venez me raconter, vous me dites, tu sais, je lui ai fait kavod, hein, il est venu, je fais kavod et tout. Moi, j'ai une question. Vous êtes sûr que votre kavod l'honore? En d'autres termes, gentiment, hein, vous prenez pour qui? C'est-à-dire que peut-être que votre kavod, il n'en a rien à faire, quoi. On lui fait tellement de kavod d'ailleurs. Vous avez remarqué, il y a des gens comme ça, vous essayez de leur faire kavod, mais ils sont un peu méprisants. C'est pas méchant, hein. Votre kavod, pour eux, il ne vaut pas grand-chose. Terrible. Terrible. Vous voyez, hein, imaginez, il y a une star de cinéma qui rentre maintenant. Hein. Vous verrez. Vous verrez. Vous lui donnez votre place, c'est normal. Normal. C'est pas du kavod, c'est normal. Oh, vous savez qui je suis? Peut-être même un grand rave aussi, hein. On leur donne tellement la place que finalement, peut-être qu'ils vont trouver ça normal. C'est-à-dire qu'en fait, écoutez bien, hein, la réflexion, c'est la suivante. Pour honorer quelqu'un, hein, pour honorer quelqu'un, il faut que mon kavod, à ses yeux, valent quelque chose. Mais comment je peux savoir si mon kavod, il vaut quelque chose à ses yeux? Alors j'ai un indice, magnifique. L'indice, hein, c'est que si, écoutez bien, si je peux faire honte à quelqu'un, alors je peux lui faire kavod. Vous avez compris le système? Si un enfant, maintenant, il m'insulte, imaginez un petit enfant, il a 3 ans, il me dit hey, « t'es idiot, toi ». Je vais sourire. Il m'a pas fait honte, c'est un enfant, il a 3 ans, il dit n'importe quoi. N'est-ce pas? Donc si cet enfant il me fait kavod, ça me fait peut-être plaisir, mais c'est pas du kavod. Si hein, quelqu'un qui aurait pu me faire honte me fait du kavod, ça c'est un kavod. Si maintenant le président de l'État, il vient, hein, ok, et il vous dit, vraiment, qu'est-ce que tu as l'air bête, ça va vous vexer. Venant de la part des chefs d'État, c'est pas rien, quoi. Ce même personnage, si lui, il vient, il vous dit, il vous fait un compliment, ça vous fait du kavod. Ça y est, c'est relatif. Ça veut dire comme ça que, en fait, ce qui compte dans la vie, c'est à quel point on compte les uns pour les autres. Ça passe peut-être par la grâce, mais c'est pas forcément la grâce. Pas forcément la grâce. Si tu veux, la grâce, c'est, ça va être dans ce contexte
comment dire, une façon de mettre en application ce qu'on vient de dire. Mais c'est pas la définition de la grâce. Tu comprends? C'est-à-dire comme ça que cette personne-là, moi je l'aime pas. Elle trouve pas grâce à mes yeux, mais elle est importante. C'est pas n'importe qui, quoi. Pas n'importe qui. Tu comprends? Hein, imagine que, je sais pas moi, c'est quelqu'un de très important, mais moi, toi, tu l'aimes pas. Il n'y a pas de grâce entre vous. Mais c'est quelqu'un d'important. Si tu fais une réflexion méchante, ça va te vexer vraiment, ça va te faire honte en public. Si tu fais un compliment en public, ça va te faire vraiment cavode. Hein, donc ça veut dire que constamment, la question, c'est de savoir qu'est-ce que je vaux pour lui, qu'est-ce qu'il vaut pour moi, n'est-ce pas? Et le vrai cavode, écoutez bien, le vrai cavode, c'est quoi? Alors, là, c'est intéressant. Le vrai cavode, c'est qu'il y a un principe qui s'appelle Ben Adam Lachaviro. Vous savez ce que c'est? Hein? Ben Adam Lachaviro, ce qui se passe entre un ami et son prochain. C'est-à-dire que Ben Adam Lachaviro, c'est être gentil avec les gens, c'est les respecter, c'est la générosité, c'est toutes les mitzvot qui sont liées aux relations humaines. OK? Mais attention, dans les relations, il y a une autre notion qu'on va appeler, et ça c'est le Rav Shapira que je vous cite qui le décrit, qui l'exprime de cette façon, je trouve ça génial. Il dit, il y a aussi ce qu'on appelle Ben Adam, Kenegdo. C'est quoi Kenegdo? Kenegdo, ça veut dire comme ça que pour définir la relation qui est entre vous et moi, il faut que je définisse non seulement ce qui nous rapproche, mais aussi ce qui nous éloigne. C'est-à-dire que je sais que vous pouvez me faire honte. Parce que ce que vous dites compte pour moi. Donc comme vous faites kavod, c'est du vrai kavod. Mais si vous ne pouvez pas me faire honte, s'il n'y a pas de kenegdo entre nous, alors votre kavod, il n'y a pas non plus de Ben Adam Lachaviro. L'un est relatif à l'autre, n'est-ce pas? Vous avez suivi l'idée? Non? Je vous dis un mot gentil, mais je ne vous connais pas. C'est sympa, mais sans plus. Je vous dis un mot méchant et je ne vous connais pas, ça ne vous touche pas forcément. Par contre, mon frère, mon enfant, ma femme, mon père me dit le même mot méchant ou le même mot gentil, ça a beaucoup de valeur. Ça veut dire qu'entre mon père, ma femme, mes amis, mes enfants et moi, il y a autant de Ben Adam Lachavero que Ben Adam Kenegdo. Hein? Vous avez compris ou pas? C'est pas très compliqué. Ben Adam Kenegdo, c'est que de la même manière que le rapprochement veut dire quelque chose dans ta relation, il est un indice de ta relation, l'éloignement, c'est pareil. Il est aussi un indice important dans votre relation. Vous avez parlé de Ben Adam Kenegdo. Oui. Kenegdo, c'est-à-dire que le jour où le te dire une gentillesse, je dis une méchanceté, ça compte beaucoup pour toi. Donc quand il dit une gentillesse, ça compte aussi beaucoup. Si tu veux, l'un est l'indice de l'autre. Voilà. Et c'est forcément lié. Forcément lié. Je suis proche de quelqu'un. Quand on est ami ou quand on est proche, quand ça se passe bien, c'est super, je kiffe. Mais donc, dès qu'il y a une dispute, ben, je suis meurtri. C'est une vraie dispute. Alors qu'il y a des tas de gens dans la rue, je me bagarre avec eux, j'en ai rien à faire. Et pareil, si je suis copain avec eux, j'en ai rien à faire, quoi. Je parle pas maintenant d'agrément ou de désagrément, vous comprenez ce que je veux dire? Je parle d'une relation vraie. Alors, ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est que, comme il y a chesed d'un côté et din de l'autre, comme il y a rapprochement et éloignement dans une relation, il faut que les deux soient présents. Les deux soient présents. Et comme j'en suis arrivé à parler de kavod, parce que kavod, c'est l'équilibre entre les deux, c'est quoi kavod? Kavod, c'est le fait que les autres me respectent. Et qu'est-ce qui fait que les autres me respectent? C'est qu'il y a un rapprochement entre nous deux. Mais attention, ce rapprochement, en une seconde, il peut virer au quoi? Au contraire. Et comme il n'a pas viré au contraire, donc c'est du kavod. Si vous m'honorez, c'est un véritable kavod, parce que vous auriez pu me mépriser. Donc, comme vous ne m'avez pas méprisé, alors je me sens honoré. C'est clair? Alors maintenant, on va faire un petit exercice. Réfléchissez. Évidemment, vous n'allez pas me le dire à vote, c'est pas ça qui est important.
qui sont les gens qui vous respectent, vraiment, hein. Pas, pas ceux qui vous disent vous et qui vous tiennent la porte quand vous passez, hein. Ok, ceux qui vous respectent vraiment. Réfléchissez, c'est qui ces gens-là? Et posez-vous une question. Posez-vous une question. Est-ce que le fait que ces gens vous respectent, cet état-là de respect qu'il y a entre vous, est-ce que c'est un respect qui est passager ou est-ce que c'est un respect qui est établi? J'explique. J'explique. Des fois dans la vie, on se fait respecter. Vous savez pourquoi? Par exemple, on a de l'argent. Il y a des gens qui ont de l'argent, ils se font respecter. Ok? Par exemple, il y a des gens, ils sont plus forts que vous. Bon, vous les respectez, ils sont plus forts, quoi. Vous ne voulez pas prendre des baffes. Pourquoi j'ai pris de l'argent? L'argent donne l'impression qu'il y a des gens qui sont supérieurs à d'autres. Résultat, comme il y a de l'argent, je le respecte. Comme il est ministre, je le respecte. Comme il a eu tel titre, alors je le respecte. D'accord? C'est qu'il y a un rapport de force. Ce rapport de force, il en impose. Donc moi, je respecte. N'est-ce pas? Par exemple, vous avez des couples où il y en a un qui respecte l'autre, par exemple, parce qu'il ramène de l'argent. Donc l'autre, ben, profil bas, quoi. Ok. Non? C'est logique, ce que je vous dis. Souvent, moi, il m'est arrivé d'avoir des discussions avec des hommes dont les femmes rapportent plus d'argent qu'eux. Ok? Et il vous explique que ça crée un espèce de déséquilibre. Je peux comprendre. Même si c'est des clichés avec lesquels on a grandi, qui sont pas forcément vrais, parce que moi je connais des grands rabbinim qui n'ont jamais travaillé, et leurs femmes leur ont jamais manqué de respect, même si c'est elles qui ont ramené la parnassa à la maison. Chose non plus qui n'est pas forcément une idée, mais peu importe, là n'est pas le sujet. Ok? Mais hein, l'argent, ça peut créer un rapport de force. Alors maintenant, regardez bien. Dans tous les gens qui vous respectent, posez-vous la question. Est-ce qu'ils vous respectent pour une certaine raison ou pas? Et la raison pour laquelle ils vous respectent, est-ce qu'elle est passagère ou est-ce qu'elle est définitive? On respecte forcément pour une raison. Pour une raison. Dans tous les cas. Passagère ou définitive? Voilà ma question. Mais dans tous les cas, cette raison, si elle s'en va, ouais, on sera plus respecté. Alors c'est ma question. Mais dans tous les cas, combien il y a de gens autour de toi qui te respectent et que pour lesquels il y a une raison pour ce respect? Et tu penses que cette raison-là, eh ben, elle est définitive. Vas-y, combien il y en a autour de toi? Il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. Deux, dites-moi, c'est quoi une raison définitive de respecter quelqu'un? L'argent, il peut le perdre. Le succès, ça peut disparaître. Aucune. Les midotes, si tu les perds, ils vont te respecter de plus, ils sont en dire même. Dites-moi, il y a Chesed, il y a Gvoura, il y a Tiferet, il y a quoi après? Hein? Netzar, c'est quoi Netzar? Éternité. Éternité. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dit, c'est bien beau, mais si ça ne dure pas, à quoi ça sert? Vous avez compris? Hein? Il n'y a rien qui peut durer? Rien? Sûr? Tout peut se perdre. À part les midotes qu'on a déjà faites, peut-être. Alors explique-moi, par exemple, dans un couple, hein? Le mari et la femme se respectent. Pourquoi ils se respectent? Donnez-moi des exemples. Pourquoi un mari et une femme se respectent? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Parce que c'est son mari. C'est tout? Ça suffit pas. Ça suffit au début, machin, sympathique, ok. Ah bonjour, ça suffit pas. Parce qu'il nous fait plaisir pour plein de trucs. Mais si tous ces trucs, toutes ces choses, ils partent, et ben les personnes, ils divorcent. Ouais. Ils se respectent plus, en tout cas. C'est que pour toi, les gens qui sont restés mariés jusqu'à la fin, parce qu'il y a toujours eu les mêmes raisons. Où il y a toujours eu des bonnes raisons de respecter. Il y en a eu des nouvelles. Ou... Non, mais les raisons, elles peuvent changer. Oui, ils peuvent changer, c'est pas grave. Ils évoluent au cours du temps. Mais en tout cas, il y a tout le temps des raisons de se respecter. C'est triste ce que vous dites. T'es sûr? Bah, si vous aimez, si vous êtes marié avec quelqu'un et que tout ce que vous aimiez chez lui, eh ben, il les a plus. Eh ben, donc c'était pas un vrai amour. C'est un constat, mais c'est ça le constat. Ah, après, si toi, tu rentres dans une espèce de fatalité. Bon, ben, on est mariés depuis 15 ans, on a vécu tous ensemble, 20 ans, donc on reste ensemble. C'est grave. Il y a quand même une
Et il est basé sur quoi cet amour, si tout est parti? Non, regardez, je sais que vous le ressentez, mais vous n'arrivez pas à l'exprimer. Donc, c'est pas grave. Parce qu'au moins, vous avez avoué avec moi que ça ne peut pas être basé que sur des choses qui disparaissent. C'est pas possible une chose pareille. C'est pas possible. C'est-à-dire que, attendez, n'épousez jamais quelqu'un parce qu'il est jeune et beau, par exemple. Jamais. Un jour, il y a un Raph qui m'a dit une chose extraordinaire. Il y avait un garçon, il disait, moi, je veux une femme belle. Il dit, mais tu comprends pas que belle, la beauté, c'est une action qui ne fait que descendre. C'est vrai, il faut dire la vérité, quoi. Bon, il y a le charme des 30 ans, des 40 ans, des 50 ans, d'accord, mais bon. Hein? Alors, si vous aimez quelqu'un parce qu'il est jeune et beau, il va se passer quoi après? Hein? C'est plus d'amour, c'est d'habitude. Plus d'amour, c'est d'habitude. Tu vas avec tes enfants, tu les trouveras toujours beaux. Mais ton conjoint, c'est pas sûr. Alors, c'est, imaginez, vous, je sais pas, votre conjoint vous dit « je t'aime, vraiment, tu es très beau ou très belle ». C'est pas un compliment, mes chers amis. Ça, c'est un compliment, mais ça durera pas toujours, quoi. C'est, vous, il faut vous dire, bon, donc c'est-à-dire que celui-là, dans 30 ans, hein, dans la même situation, il va me dire quoi? Il va me dire « j'aime tes bourrelets », il va me dire quoi? Ah ouais, c'est gentil ça. Au pire, d'après vous, au mieux, il va dire à mes yeux, tu resteras toujours la plus belle. Alors, mes amis, je vous explique, c'est très simple. Très simple. Très simple. Vous savez ce que c'est se faire respecter dans la vie? Se faire respecter, c'est savoir s'imposer. S'imposer. Moi, je ne veux pas que vous me respectiez ni parce que je suis beau, jeune, sympa, du succès, j'ai telle position, j'ai de l'argent, je veux pas, ça m'intéresse pas. Parce que ça, c'est sûr que ça va disparaître. Certain. Moi, je les comprends, les hommes politiques, qui sont prêts à tout pour rester à leur place. Je les comprends, les pauvres. Vous vous rendez compte? On leur fait du cavote que pour ça. Ils ont envie que ça dure, quoi. Ils ont envie que ça dure. Vous savez, quand vous respectez un rave, je parle d'un vrai rave. Hein. Vous savez pourquoi vous respectez un rave? Parce que le rave, il s'impose avec des idées. Hein. Et vous ne le respectez pas forcément parce qu'il dit ce que vous avez envie d'entendre. Il dit, et vous êtes d'accord avec lui. Vous voyez, moi, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un cours dans un endroit avec des gens qui sont complètement assimilés. Et il y a un monsieur que je connais bien, et le pauvre, il est loin, mais il comprend. Vraiment, la Torah, pour lui, c'est de la science-fiction, mais mamache, quoi. Vraiment, quoi. Plusieurs fois, j'ai eu des discussions avec lui, il ne comprend rien, quoi. C'est-à-dire, ni je parle de Shabbat, ni des faits. Il y a des milliers. La chose qui l'intéresse, lui, c'est l'humanisme, l'humanitaire, machin, etc. Et un jour, il a écouté un cours de moi. Et à la fin du cours, il m'a fait un très, très beau compliment. Il m'a dit comme ça, il m'a dit, quelle intelligence dans vos propos. Alors, je ne l'ai pas pris du tout à titre personnel. Moi, je n'ai fait que répéter ce que j'avais étudié. Mais c'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu l'impression que, ah, j'ai réussi à imposer un message. Ce message, quoi qu'il arrive, il le respectera. Parce que c'est sûr qu'il n'était pas d'accord. C'est certain qu'il n'était pas d'accord. Et quand je le disais, je le connais un peu, je savais qu'il ne serait pas d'accord. Mais il ne pouvait pas dire autre chose que ce que j'avais dit était intelligent. Maintenant, écoutez bien. Ça, c'est quelque chose de définitif. Ça ne peut pas changer, ça. Vous ne pouvez pas dire « Ah non, finalement, j'ai réfléchi, j'étais idiot. » Alors, c'est qu'il n'avait pas compris la veille. Mais s'il a compris, ça reste intelligent. Maintenant, dans une relation homme-femme, copain, machin, etc., pourquoi on se respecte? Ce n'est pas toujours par rapport à l'intelligence. On se respecte parce qu'on sait s'imposer. Et vous voulez que je vous dise quelque chose? Vous savez ce que c'est un bon mari? Hein? Ou une bonne épouse, vous savez ce que c'est? C'est une personne qui sait s'imposer par rapport à ce qu'elle est. Vous dites que c'est définitif. Hein? Si on s'est plus imposé. Et bon, c'est pas se faire respecter. On a un problème. Non, mais vous dites que c'est définitif, mais c'est plus définitif. Pourquoi c'est plus? Parce que c'est le fait de pouvoir s'imposer, c'est quelque chose qui peut se perdre. Pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que tout peut se perdre dans la vie. Tout peut se perdre. Mais à l'échelle humaine, ça veut dire quoi? Hein, franchement, moi j'aime mon père.
Ok. Quand il y a 20 ans ou 30 ans, je l'aimais pas parce qu'il était jeune et beau et en bonne santé. La preuve, c'est que maintenant, c'est plus le cas. Ça change rien. Je l'aime parce que c'est mon père. Je l'aime parce que ce rôle de père, il est définitif, il est éternel. Je peux pas le remettre en question. Vous savez, comme vous, moi à l'âge que j'ai eu des rabbanim quand j'étais à la Yeshiva Ktana à Marseille, puis j'ai eu des rabbanim quand j'ai eu la Yeshiva Gdola en Israël à l'âge de 18 ans, et puis j'ai rencontré des rabbanim quand j'ai étudié en Angleterre, et puis j'ai rencontré des rabbanim à 30 ans, et puis à 35. Quand je revois mes rabbanim, qui étaient mes rabbanim quand j'avais 15 ans, je les revois aujourd'hui, je les respecte toujours autant. Toujours autant. Pourtant, j'ai plus peur d'eux, alors qu'à l'époque, je tremblais. Ok ? Ils ont plus d'autorité sur moi. J'ai rencontré des rabbanim que j'ai trouvé peut-être beaucoup plus grands qu'eux. Mais ce qu'ils ont été, ça ne change pas. C'est ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils incarnent une chose qui est une réalité. Une réalité. Hein? Par exemple, revenons à l'exemple d'un couple. C'est quoi trouver sa femme belle? C'est quoi? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Un mari doit être convaincu que la beauté qu'il trouve chez sa femme, mais je parle évidemment quelqu'un qui est sincère, c'est une beauté que personne d'autre que lui ne peut voir. Et c'est pas que pour des raisons de tignote. Parce que ce que les autres vont voir et ce que lui voit, ça n'a rien à voir. Moi, je vous dis franchement, moi, quand mes enfants sont nés, et machin, etc., c'était pour moi, c'était les plus beaux du monde. Mais ça ne me dérangeait pas du tout que d'autres pensent différemment. Ça ne changeait rien à ce que moi, je pensais. Et ce n'était pas seulement parce que j'étais gaga et baba. Et... Non, j'étais convaincu. Cet enfant, il avait, pour moi, étant ce qu'il est, il dégage quelque chose que je trouve magnifique. Et si on ne le voit pas, c'est pas grave. Ils n'ont pas la même relation avec eux. Mais je suis sincère. Je suis sincère et c'est définitif. Et moi, il m'est arrivé par là avec des gens qui ont divorcé. Des couples qui ont divorcé. Mais ils vous disent. Ils disent, mais les qualités que j'ai trouvées, vous voyez, ils restent en bon terme. Pourquoi, comment on peut rester en bon terme, même quand on se sépare? Ils vous disent, ce que j'ai aimé, je l'aime toujours. J'aime toujours. Mieux que ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai un ami à moi, juste avant Pessah, qui s'est marié. On a le même âge. Et malheureusement, il avait perdu sa femme quelques mois avant, un peu moins d'un an. Il ne voulait pas se remarier, du tout. Du tout. Et il m'a tout raconté. Et ses rabbanim, presque ils l'ont forcé. Il est allé rencontrer cette femme, une femme qui avait malheureusement la même expérience que lui. Et vraiment, il y a eu entre eux un vrai coup de foudre. Maintenant, on discute, j'ai une discussion de fou. Il me dit, tu comprends? Je ne peux pas dire que je l'aime plus que ma femme. Elle n'était pas encore mariée. Et il commence à me comparer l'amour, enfin, au contraire, à m'expliquer qu'il n'y a rien à voir entre l'amour qu'il avait pour sa première femme et bon, évidemment, j'étais gêné. En même temps, il m'a expliqué quelque chose que j'ai trouvé magnifique. Ce qu'il a aimé, il aime toujours. Ça ne l'empêche pas d'aimer encore autre chose. Vous comprenez? C'est qu'il n'y a pas de trahison, quoi. Il n'y a pas de changement. Pourtant, sa femme, elle est enterrée, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qu'elle a été, elle n'est plus. Mais ça existe toujours. C'est définitif. C'est Netzar. C'est-à-dire que je veux bien qu'il y ait de l'amour. Je veux bien qu'il y ait de la distance. Je veux bien que le ensemble forme du kavod. Mais ce kavod n'a un sens qu'à une condition. C'est que ce soit quelque chose qui soit définitif. C'est une véritable réalité, quoi. Une réalité qui ne changera jamais. Jamais. Dans la vie, on ne peut pas annuler quelque chose qui a vraiment existé. Ce n'est pas possible. Dans les relations humaines, c'est une règle. C'est une règle. Moi, quand je marie un couple et que je dis on s'aimera toujours, je me dis, est-ce qu'ils sont conscients de la puissance de ce qu'ils sont en train de dire? Moi, je peux vous dire, après plus de 20 ans de mariage, oui, au quotidien, je comprends ce que ça veut dire aimer pour toujours. Mais c'est pas évident, quoi. Mais en même temps, on réalise avec le temps qu'il n'y a pas d'autre amour, quoi. Sinon, le reste, c'est pas de l'amour. Hein, c'est pas de l'amour. Pour moi, quelqu'un qui a aimé et un jour il n'aime plus, c'est très méchant ce que je veux dire. Hein. Quelque part, c'est pas de l'amour. C'est pas possible. C'était autre chose. Maintenant, oui, c'est vrai, je l'aimais, mais elle m'a fait du mal. Mais... Alors ça se transforme un petit peu en autre chose, mais ça reste, quoi.
Ça reste. Je connais un monsieur, il a été marié avec une femme, il a aimé cette femme. Elle lui a fait les pires coups qu'on peut imaginer. Pas pendant les premières années, mais un jour, il s'est rendu compte que, malheureusement, bref, c'était terrible. Donc, il a divorcé, il n'avait pas le choix. Même d'après la halakha, il fallait qu'il divorce. Adayom, vous n'entendrez jamais dire un mot de mal sur elle. Il vous dit, ah, elle m'a fait des choses terribles. Mais quand on, il se lâche un peu, mais je l'ai beaucoup aimé. Et ça, c'est, ça ne s'est jamais complètement effacé. Même si ça devient de la jalousie, vous voyez, ça se transforme. Mais le sentiment, il reste. C'est ça, Netzar. Netzar, c'est que quelqu'un que je respecte vraiment, je le respecterai toujours. Toujours. Vous savez, moi, ce qui me fait très mal dans les histoires de présidents et de premiers ministres qui vont en prison, machin, etc., ça me fend le cœur. Vous savez pourquoi ça me fend le cœur? Parce que, pour moi, on éduque les gens à ne pas respecter les autres. Moi, je vous dis la vérité, je sais que pas tout le monde est d'accord avec moi et que ben, peut-être qu'au niveau de la justice, c'est très compliqué, mais moi, j'aurais préféré ces gens, on les oublie plutôt qu'on les traîne dans la boue. Parce que pour une société, c'est dangereux. Pour une société, c'est très dangereux de dire on a respecté quelqu'un, mais maintenant, on ne le respecte plus. Donc, celui qu'on respecte aujourd'hui à sa place, hein, lui, soi-disant, hein, il est blanc-bleu, mais un jour aussi, lui, on peut ne plus respecter. Alors, qui on respecte? Regardez, tournez-vous autour de vous. Dans la société, qui on respecte? Demandez à un enfant, si vous arrivez à lui expliquer tout ce que je vais expliquer, il dit, allez, maintenant, dis-moi qui tu respectes. J'ai très peur qu'ils vous disent, personne. Personne. Hein, parce que dans la société, on respecte nos parents quand ils sont jeunes, quand ils sont beaux, quand ils sont intelligents, quand ils... Hein. Puis après, quand ils vieillissent, on ne les respecte plus. On respecte quelqu'un parce qu'il a du succès, parce qu'il a réussi, parce que ceci, parce que cela. Puis le jour où ça passe, c'est fini. Vous vous rendez compte, c'est terrible. C'est terrible. Hein, ça, c'est Ahava, Kessed, c'est Gvoura, c'est Tiferet, mais c'est pas Netzar. Et si c'est pas Netzar, on ne peut pas continuer, quoi. Mais quand il y a Netzar, alors il y a la suite. Je vais continuer encore un et je m'arrête. Après Netzar, il y a une autre Nida qui s'appelle Hod. Hod. C'est quoi Hod? Hod aussi, c'est somptueux, magnifique, tout ce que vous voulez. Hein, mais Hod, c'est un mot qui est basé sur une expression qui est très simple. Très simple. Hein, regardez, je prends un texte dans la prière de tous les jours. Dans le texte, dans le passage de Vayevarer David. Là-bas, on dit comme ça. On parle à Hachem, on lui dit. Lecha Hachem, à toi Hachem, à Gedoula, la grandeur. Ok? La grandeur, c'est quoi? C'est le chesed. Dans la vie, on est grand quand on sait faire ce qu'on n'est pas obligé de faire. Quand on sait aller vers quelqu'un, même si on n'est pas forcé, on n'a aucune raison de le faire. Alors Hachem, il a la Gdoula. Véa Gevoura. Gevoura, c'est le din, on l'a expliqué. Véa Tiferet, le Kavod. Véa Netzar, ce qu'on a expliqué maintenant. Véa Hod. Ok? Hachem, il a le Hod. Mais c'est quoi Hod? Alors, on va expliquer plus tard. On va dire comme ça. Véa Ta Elokenu, Modim Anachnu Lach. Traduisez-moi. Ouais. Le mot reconnaissance, c'est lequel? Modim. D'où vient ce mot modim? Les hodot. On va dire, juste avant de faire le schéma, Vekiraftanu, Hachem Elokenu, tu nous as rapprochés de Malkenu, tu nous as rapprochés toi, les hodot lach. Pourquoi? Pour qu'on te remercie. Hein? Alors, même le mot modé, ça veut dire quoi? Comment vous traduisez en français, Modé? C'est quoi la reconnaissance? Hein? Remercier. Donc, ce que vous dites, c'est que la reconnaissance, c'est quand quelqu'un m'a fait du bien, je suis reconnaissant. Et s'il ne m'a pas fait de bien? Alors écoutez bien. La reconnaissance dans la vie, c'est pas seulement quand on m'a fait du bien. La reconnaissance, c'est reconnaître que quelqu'un est ce qu'il est. Regardez,
Moi, je fais des shiurim. Je parle pas quand je m'adresse à vous, ok, bah, Baruch HaShem, vous êtes des convaincus, machin, on essaie de... Mais des fois, il y a des gens qui... Il leur manque la base. Vous savez ce qui m'intéresse, moi, quand je leur parle de Torah? Une chose m'intéresse, qu'ils soient modés. C'est quoi modés? Qu'ils reconnaissent qu'il y a un HaShem. Ça veut dire quoi, HaShem? Alors, à leur niveau, ils vont aussi comprendre ce que ça veut dire HaShem. Mais un juif, c'est quoi? C'est quoi le premier devoir d'un juif? C'est de reconnaître que HaShem, il existe. C'est à la reconnaissance, c'est quoi? C'est « t'existes, je reconnais que t'existes ». Écoutez bien. Quand est-ce que le kavod, il est définitif? Quand il est basé sur quelque chose qui ne changera jamais. Qu'est-ce qui ne change jamais dans la vie? C'est l'existence de l'autre. Quand je suis modé que quelqu'un existe, alors ça devient définitif. Définitif. Vous savez ce que c'est un couple équilibré? C'est quand la femme, elle reconnaît que le mari, c'est le mari, et que le mari reconnaît que la femme, c'est la femme. Ça veut dire quoi? On a toute la vie pour apprendre. Mais là-bas, c'est ça, on reconnaît. Moi, mon père, c'est mon père, je reconnais. Point. Ah, vous vous rendez compte comment dans la vie, c'est rassurant de reconnaître qui est quoi? Quelle place elle revient à qui? C'est magnifique. C'est la base de tout, reconnaître. Vous avez remarqué qu'à chaque fois, je vous dis que c'est la base de tout. Mais c'est vrai qu'on est vraiment dans les fondements, quoi. Regardez, je vais vous donner un exemple magnifique. La semaine dernière, à la même heure, enfin pas à la même heure, mais juste avant, le dimanche d'avant, dimanche quoi, de dernier, c'était Pessah Sheni, n'est-ce pas? Vous savez ce que c'est Pessah Sheni? Pessah Sheni, c'est que quand les bénis Israël sont sortis d'Égypte, on leur a dit d'amener le Corban Pessah. Donc le 14 Nissan, tout le peuple juif a amené le Corban Pessah. Maintenant, vous savez qu'il y a deux types de Corbanot. Il y a ce qu'on appelle le Corban Tzibour et le Corban Yachid. Corban Tzibour, c'est le Corban collectif. Corban Yachid, c'est le Corban privé. N'est-ce pas? Par exemple, tous les matins, on amenait au Beth Amigdash le Corban Tamid. Il y en avait un pour tout le peuple. Comment ça s'appelle? Tzibour. Quelqu'un faisait une faute, il amenait un Corban Khatat. Sa faute, Khatat, c'était un Corban Yachid. Le Corban Pessah, c'est un Corban Tzibour, un Corban Yachid. Chacun amène le sien. Mais quand est-ce qu'il l'amène? En même temps que tout le reste du peuple. Donc c'est une exception. C'est le seul corban que tout le monde amène, mais c'est un corban tzibour. Pourquoi? Parce qu'on l'amène tous ensemble. C'est exactement la différence qu'il y a entre mincha, entre shacharit mincha et arvit. Shacharit et mincha, comme il y a la chazara de la amida, on fait tous ensemble la tefila, il y en a une pour tout le monde. Au début, on fait chacun pour soi, mais après, on fait tous ensemble. Alors que arvit, non. C'est quoi arvit? Arvit, il y a 10 personnes qui prient, mais chacun seul, quoi. Seulement arvit, ça s'appelle aussi prier tzibour quand on est 10. T'as compris? Bref. Donc, c'est un corban tzibour. Il y a une date. Tout le monde doit l'amener en même temps. Dans la traversée du désert, il y avait des hommes qui étaient responsables de porter des ossements de Yosef. Ils les ont amenés jusqu'à Eretz Israël. Maintenant, quand on touche les ossements, qu'est-ce qui se passe? On devient tamé. Ils vont voir Moshé. Ils disent, attends, Moshé, c'est pas juste. Nous, on a une mitzvah qui consiste à amener les ossements de Yosef. À cause de ça, on ne peut pas faire corban Pessah. Hachem, il va voir Moshé, Moshé va voir Hachem, et Hachem, il dit, t'as raison, ils ont raison. On va leur donner une deuxième date. Combien ils sont? Ils sont très peu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le Corban Tzibour, il devient Corban Yachid. On leur dit, ok, vous pouvez amener le Corban Pessah un mois après, au 14 Iyar, mais du coup, comme ils sont que quelques-uns, c'est plus un Corban Tzibour. Vous avez compris? Mais pourquoi? Alors maintenant, regardez l'enchaînement. Hachem, il avoue que ces juifs-là, même s'ils sont très peu, eux aussi, ils ont droit d'avoir le mérite d'amener le Corban Pessah. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il transforme quelque chose qui est tzibour en yachid. Voilà, mes amis, ce que c'est modé. Vous savez ce que c'est modé? Modé, c'est que dans la vie, il y a des ensembles, il y a des règles, il y a des choses qui sont collectives. C'est facile de respecter la collectivité. C'est facile de respecter la masse. C'est facile de respecter ce que tout le monde veut, de vouloir ce que tout le monde veut. C'est ce qui est plus difficile, c'est de respecter quelqu'un quand ce qu'il veut, quand ce qu'il est, c'est pas toujours ce que tous les autres sont. Comme je disais tout à l'heure, nos parents, tant qu'ils sont dans la tendance, c'est facile de les respecter. Dès qu'ils sont vieux, has-been, au passé, c'est plus difficile. Quand on est modé de l'existence de quelqu'un, on dit non, non, même quand il est yachid, il mérite mon respect. Ok?
Et ça, c'est définitif. Donc, c'est-à-dire que la dernière mida qui s'appelle Hod, c'est quand dans la vie, on est capable de respecter chacun pour ce qu'il est. Et même si vous êtes quelqu'un qui est complètement différent des autres, qui est complètement décalé des autres. Mais je ne peux pas faire autrement que de vous respecter. Parce que je suis modé, je reconnais votre existence. Voilà. De ce qu'on a dit ce soir, la conclusion c'est quoi? C'est que le plus beau cadeau que vous puissiez me faire, le plus grand respect que vous pouvez avoir pour moi, c'est quoi? C'est de reconnaître mon existence. C'est tout ce que je vous demande. J'existe, je suis moi. Quand on reconnaît l'existence de quelqu'un, il a sa on lui donne sa place, on lui donne ses honneurs. On le laisse tranquille quand il a besoin d'être tranquille. On est présent quand il a besoin qu'on soit présent. Toutes les midotes, elles trouvent leur sens dans celle-là qui s'appelle Oda'a. Et Hachem, c'est ce qu'il dit. Il dit, moi, je vous ai rapproché avec Keraftanou Malkenou, tu nous as rapproché. Pourquoi? Les Odot, là. Ce qu'on veut, ce que tu veux, Hachem, c'est qu'on soit modé que tu existes. Ok, bah on va être modé que tu existes. Et qu'est-ce qu'on fait tous les jours, tous les soirs? On dit schéma Israël, c'est bon, on a compris. Pourquoi il faut répéter deux fois par jour? Pourquoi deux fois par jour il faut dire Hachem, c'est notre Dieu, Hachem, il est un? C'est clair! Non, il faut être modé dans la vie. Il faut reconnaître l'existence de l'autre. C'est-à-dire que c'est une relation équilibrée. Une relation équilibrée, c'est quand chacun des deux est toujours convaincu qu'aux yeux de l'autre, il existe vraiment. C'est tout, c'est Oda. Il existe vraiment. Vous voyez, là on a étudié 5 midotes sur les 7. Je ne sais pas si on étudiera les deux autres la semaine prochaine, peu importe, c'est pas... le but c'est pas de faire toutes les midotes, c'est juste de voir comment de Hachem on peut tout apprendre. Et comment la Torah, elle nous enseigne l'équilibre des tendances, des natures qui sont les nôtres. Et cet équilibre, il forme, et c'était notre conclusion de la semaine dernière, une harmonie. Et cette harmonie, elle fait de nous qu'on ressemble à Kadosh Baruch Hu. Et que finalement, pour recevoir la Torah, on ne peut pas sauter cette étape qui s'appelle les midotes. Voilà pourquoi ça fait déjà deux shurim qu'on leur consacre à ces midotes. Il restera Yesod et Malchut. Et là, ça devient compliqué. Peut-être on étudiera un problème, peut-être pas, je sais pas, on verra. Peut-être une autre fois. Mais déjà, il y a de la matière pour réfléchir jusqu'à la semaine prochaine. Voilà, bonne fin de semaine.